Hello everyone, welcome to BGS, Binge Gaming Session of 32 is... Oula, ça commence pas. Je suis déjà recherché. On est à... Comment ça s'appelle? San Gimignano. Si. Et on est dans une magnifique région. On est recherché déjà. On est déjà recherché. Et comme vous voyez, il cultive le blé. Le décor est somptueux. C'est très... On se croit dans un tableau, quoi, tout simplement. C'est super beau. Regardez-moi ce décor. Donc on a atterri ici. On va rester un petit moment. Parce qu'on doit retrouver les hommes de main de Jacopo pour ensuite leur faire cracher le morceau et le buter, quoi. Parce que c'est une des cibles. Alors lui, ça doit être un éclaireur. Regardez-moi ce décor. Mais regardez-moi ce décor. C'est super beau, quoi. C'est vivant, c'est... Le soleil, franchement, très bon jeu. Ah, te voilà. Ça y est. Nous avons trouvé Stefano da Bagnoli. Tu n'as qu'à suivre ce chemin. Il te mènera jusqu'à l'abbaye où il a trouvé. Attends, avant de partir, prends ceci. Tu pourras t'en servir pour faire diversion. Merci, mon ami. L'abbaye, ouais, massacrer tous ceux qui sont là. On va leur faire cracher le morceau. Oh, regardez-moi cette petite abbaye. C'est super beau. C'est un monastère en plus. Ah oui, l'abbaye, il y a forcément des moines. On rentre comment? On massacre tout le monde? Comment est-ce qu'on rentre? Elle nous dit, vous faites quoi? On peut rentrer avec des moines? Ah ouais, peut-être qu'il y a des moines qui vont rentrer. Le cheval nous attend. Les balades en cheval sont quand même plus fun. Il n'y a pas un groupe de moines qui rentre? Où est-ce qu'il est? Excusez-moi les bugs sonores. Il est par là. C'est un témoin ou c'est la cible? Je ne rappelle jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, on est là, je veux juste... Alors, introduisez-vous dans l'abbaye, tuez Stefano de Bagnone, votre cible, avant qu'elle ne se réfugie dans l'abbaye. J'ai fait une connerie. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Ils se réunissent dans l'ombre des dieux romains. Mais je l'ai buté direct. Ce jeu est quand même facilité. On a beaucoup plus de force et de puissance qu'Altaïr pour tuer les gens, pour se battre. Allez, on se casse. On va se prendre un cheval. Hop là. Allez les gars, on 150 florins. Alors, tu démoines quand même, je peux pas dire, mais... On peut pas rentrer, c'est forcément planqué. Bon, c'est pas grave. Allez, ouais, les gars, on va aller nettoyer la zone.
Ouais, les deux, arrêtez. Non, c'est plus qu'un. Bravo, bravo. Qu'est-ce qu'il cache derrière cette carte? On a conquis la zone. Voilà, il n'y a plus personne. Par contre, on est hyper recherché. Et où le cheval? C'est barré? Oh non, mon cheval! Oh mais non, les gars, moi j'ai besoin de mon cheval là-haut. Abby ne fait pas le moine, c'est clair. Merci les gars. Ah, il est là. Ah bah, magnifique saut. On va essayer d'être... On va essayer de faire les choses en bien. Ouais, faut aller dans la zone où il y aura le moins de trucs. Ouais, c'est par là, on va aller là. Par contre, il n'y a aucune info affichée, alors pas un point de vue quelque part. Non, mais alors des hommes de main, ça aide quand même. Mais on est vachement facilité hein, par rapport au précédent. Regardez-moi ça, des gens ils sont en train de cultiver et tout. C'est plus riche que le précédent. Plus riche, il y a plus de choses, c'est net. Mais... Et là, pour changer de décor. Ah, y a pas un truc de point de vue là. Non. Attends, y a... Ah, y a un coffre par contre. Descendre. Allez, ramasse. Les bugs là pour ramasser les. Il y a peut-être un point de vue là quand même. Non ? Ah, il y a un point de vue super. Ouais, essayer de synchroniser un peu la zone parce qu'on a rien du tout. Oh, on est la nuit déjà. Allez, et deux. Hein. Ah, il y en avait peut-être un là-bas, j'ai pas vu. Parce que normalement ils sont affichés. Normalement ils sont affichés et il n'y a rien d'affiché là. Ah ouais, 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 on est allé là-bas, il y en avait un d'affiché. Il y en avait un. C'est la blague? Putain, il y en avait un. Et mais j'y retournerai bien quoi. Juste pour le faire. Est-ce qu'on peut sauter sur le cheval? Ça m'énerve. On va retourner là-bas. Je suis un dingue. Oui, je suis un dingue. Non mais ça m'énerve d'être à l'endroit, d'avoir loupé quelque chose. On va retourner où on était. On va retourner vite fait et puis on va revenir. Non, j'aime pas être frustré de me dire ah, j'ai loupé un truc. C'est bien. Normalement, ils sont censés les afficher. Et là, ils les affichent pas. C'est ça que je piche pas trop. Oh là, on a fait un sacré chemin. Mais on va revenir. Puis on profite du décor, c'est quand même beau. Hein. Ouais, s'il y avait pas les boxeurs. Je sais pas pourquoi il y a des bugs, c'est la compatibilité, on a vu qu'il est pas bonne. Mais ce jeu tourne, messieurs, ce jeu tourne. Je pense que pour le 3... Ah, il y a un coffret. Vous voyez, ça valait le coup de revenir. Je pense que pour le 3, il n'y aura plus tout de problème. C'est en fonction du moteur, en fait, tout simplement. Le 1, j'ai essayé tout ce que j'ai pu. C'est un échec. Le 2, vous voyez, ça marche à peu près. C'est comme les Far Cry d'ailleurs, c'est Far Cry 2, impossible de le faire tourner, ça buguait. Far Cry 3, ça marchait, mais il y avait quand même quelques petits soucis de compatibilité. Et apparemment, Far Cry 4, tout fonctionne en natif. Donc c'est une histoire de moteur, tout simplement. Allez, grimpe. Après, on sautera. Ah, il y a un truc à récupérer en plus. Oh non! Ah, attendez, c'était plus simple par là.
Allez, grimpe! Grimpe! Il y a une plume. Dommage à notre frère. Allez, grimpe, va récupérer la plume. Et où le point de vue là? Ah ouais, on commence vraiment à gagner du pèse, hein, c'est pas mal. Allez, on y est presque là. Grimpe. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. On va pouvoir faire un magnifique saut. C'est parti. On saute, on part au parachute à l'autre sens d'ailleurs. Allez. Hop là. Et puis viens nous voir, il est gentil. Allez. Allez, on repart à l'autre sens. Wouh. Sur le chemin, il y en a un. C'est toute la région. Ah, sur le chemin, il y en a un. Ah, allez, on va le faire sur le chemin. Ouais, ouais, je suis comme ça. C'est, je vous dis pas, Far Cry 3, je l'ai poncé. J'ai fait toutes les tours, j'ai fait toutes les missions secondaires quasiment, je crois. Il restait plus que les dernières, les missions bleues. Et les missions bleues, c'était quoi? C'était aller d'un point A à un point B pour apporter du matos en un temps. Voilà, j'ai quasiment tout fait quoi, Far Cry 3, et je regrette pas parce que ça valait le coup quoi. Ce jeu valait le coup. Ça valait le coup de s'acharner et essayer de tout voir, tout visiter. Ouais, toutes les séquences en deltaplane, les petits monuments, les temples à visiter. Et, franchement, ce jeu valait le coup. Je regrette pas l'avoir fait. On est arrivé, hop. Allez! La dernière fois que j'avais joué. Ah oui, c'était pas de deal, hein. J'avais buté. On avait fait un sacré chemin. Allez! Regardez-moi ça! Les cultures, les décors, les arbres. Qu'est-ce que c'est beau! Hein, vous voyez? Toute la. Jimignano, comment ça s'appelle? Sandy. Jimignano. On est près de la cité. Là. Pourquoi ça vaut le coup de se balader? Et allez, c'est vivant, il y a des gens qui se baladent. Ils sont sur le chemin. Après, ça me paraît très très peuplé quand même. Les gens sont sur le chemin à pied. On va peut-être embaucher des mercenaires. J'ai tellement de thunes maintenant que je peux embaucher des mercenaires sans trop de problèmes. Ou alors je me farcie les mecs à main nue. Allez. Nous avons trouvé l'archevêque Saint-Galac. C'est barricadé derrière les murs de cette villa. D'accord. Emmène quelques hommes. Éliminerons les gars. D'accord. Ouais. Bon, désolé si le son vous entendez pas bien. Restez ici. Suivez-moi. Allez. La zone. Si le son est pas terrible, je suis désolé. Je fais en fonction des bugs. Voilà. Bientôt vous vous sentirez mieux, vous verrez. Ouais, merci.
Allez, venez. Et de 1. Et de 3. Ah j'ai... Hey, faut pas que je tue mes mecs. Eh hop, c'est bon. Voilà, faut ouvrir le portail, mec. Pour ouvrir le portail, faut grimper. Putain, ah, ça c'est chaud. Si je sais pas comment on fait. Ah! C'est là l'ouverture. Tenez-vous prêt. L'assassin est arrivé. Allez, et de 1. Allez, non, tuez-moi. Mon cheval. Tu débutes des inepties tandis que tes hommes se font massacrer. Je veux bien faire un geste. Voilà ce que je te propose. Si tu pars, je rappelle mes hommes. Pas question. Tu es sur ma liste. Ton sort est scellé. Arrachez-lui tous les membres. Nous allons repeindre. Curieuse façon de traiter ses invités. Où est Giacomo? Déjà? Tu le cherches. Il ne sortira de l'ombre qu'au moment de rejoindre les autres. Ah, lui, c'est un prêtre. Je l'ai pas fait gaffe. Mais dis-moi où. La foi nous apporte toujours l'apaisement. Non, la souffrance. Les Quiescat in pace. Ouais, je sais pas. Genre, c'est pas fini. Genre... Ouais. Faut nettoyer la zone, les gars. On va pas faire que ça. Voilà. Le contrôle. Je sais pas si on peut prendre le contrôle. Ouais, 3 florins, c'est 3 francis ou quoi. Et voilà. Ouais, un petit côté exploration. C'est pas un open world là quand même. C'est des zones open world, mais c'est limité quoi. On fait pas ce qu'on veut. C'est pas plus mal.
Je préfère que le monde soit orienté de l'action du jeu que ce soit un open world total. Parce que là, maintenant, les open world, il n'y a que ça. On a massacré. On a tout massacré. Il y a des trucs à récupérer, il n'y a rien. S'il y a le médecin. Le médecin, ça sert à rien. Ah non, c'est la cité. Ah, il y avait un truc peut-être. Est-ce qu'il y avait une. Non? Un truc à débloquer. Attendez, on va aller là. Avant d'aller dans la cité. On est recherché, on est en rouge. Ouais, regardez-moi ce décor. Cette ambiance lunaire. Petit brouillard. Regardez. Et les mecs, ils bossent même la nuit à. À récupérer le foin. Bon. Il bosse peut-être un peu trop. J'ai du mal à y croire. Ah, une plume. J'aime bien savoir où je suis. J'ai le temps de se planquer. Dommage qu'on profite pas trop de la musique d'ambiance parce que bah, ça bug. C'est quoi ça? C'est des voleurs? Ah, les passeuses. C'est bon là? Qui c'est qui rigole? Ah, il y a un point de vue là, super. On va essayer de scanner au moins une partie de la ville. C'est ça? Ah, c'est sacré toi. Wow. Ça, c'est de la chute. Ah, le son est pourri, je suis désolé. Hein.
Bastone del diavolo. Je nettoie la zone. Je suis désolé. Je suis pas semblant. Ah, et un truc là. Oui, oui, bah merci. Merci. Hey. Synchronise. Hey. Tu devrais utiliser ta vision d'aigle. On va pas y passer la journée. Bah c'est ce que je fais là. Ah quand même. D'accord, donc c'était pas sur le truc même, c'était... C'est une autre cité avec plein de tours d'ailleurs. Pourquoi il y a plein de tours comme ça? Maintenez nous pour en examiner. Ok. Attendez, je rêve. C'est pas possible. C'est du code informatique. Je vais le recompiler. Oh, sans le fichier est crypté. Envoie-le sur mon ordinateur. Je vais le décrypter. Oh, je voudrais bien, mais il n'est compatible qu'avec l'Animus. Alors envoie-le à Desmond. Fais-ce quoi? Je suis... Il m'appelle le sujet 16. Écoutez-moi bien, je parle. Mais c'est le mec qui a servi de base pour ben oui. Depuis le début, nous vivons dans l'illusion. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris, tout est faux. Je peux prouver ce que j'avance. Tout est dans le fichier que j'ai transféré. Mais je l'ai découpé en 20 segments. Et chaque segment est verrouillé par un code. On n'est jamais plus prudent. Isabelle, non, non. La reine Isabelle. C'était en... En quelle année déjà? J'ai caché le code du premier segment dans ce programme. Trouvez-les. Trouvez les autres. Et alors, vous connaîtrez. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça fait dans l'animus? Je sais. La mémoire centrale d'Absurdo. On a transféré les données du sujet 16 dans l'animus 2.0. Il a dû s'introduire dans le système quand Vitic l'a laissé seul entre deux sessions. Attendez une minute. Alors les symboles sur les murs d'Absergo, ceux qui ont été écrits avec du sang, c'était des indices. Ils voulaient qu'on les cherche à l'intérieur de l'animus. Ah ouais. Sur ça, des médias à croquer, des détails, éplucher les œuvres que vous comprenez. Oh non petite chenille. Non.
Ouais, j'ai pas le temps. Bon, bah, j'ai une connerie. Non. Je vais pas faire que ça. Accéder à la base de données. D'accord, donc c'est dans la base de données qu'on peut agir. Ok, bon. Je regarderai ça une autre fois. Attendez. Base de données. Torre del Diavolo. Non, le secret. Non, lieu. Maria Novella, Torre del Diavolo. Est-ce qu'il y a la Torre del Diavolo? Campanile, c'est ça, Campanile di Giotto, c'est ça, c'est la grande tour. Ah, mais non, attendez, faut aller faire Toscane. Ah, c'est ça, Torre del Diavolo, et on fait glyphe. Voilà, c'est ça. Ok, bon bah j'ai compris. Bah je ferai ça une autre fois parce que ça me. Ça me... Bon bah voilà. On a fait un petit tour rapide. Ah, il y a une plume de l'autre côté. On a fait un petit tour rapide et on va se retrouver pour une prochaine vidéo de BGS, Beach Gaming Session. The Story du 2 with Assassin's Creed 2. Il est vraiment pas mal ce jeu. Il est vraiment pas mal. Allez, ciao!